Antoine Bureau, conseiller technique principal pour l'ONUDI, coordinateur du projet MACHROI. Le projet MACHROI a été lancé en octobre 2016. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement tunisien et l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Il est financé par l'Agence américaine de coopération internationale USAID et également par la coopération italienne et la fondation Hewlett-Packard. Le projet, avec l'expertise de l'ONUDI et ses partenaires, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises et de la création d'emplois. Et a la particularité d'intervenir dans les 14 gouvernorats des régions intérieures de la Tunisie et il couvre l'ensemble des secteurs d'activité. Il vise principalement les jeunes vise à encourager et même à concrétiser le lancement de leurs entreprises, ceci afin de créer des revenus et des emplois. À terme, le projet vise à favoriser la création de près de 6000 emplois. Depuis sa création, le projet MACHROI a favorisé la création de près de 4500 emplois. Il a également permis à près de 28 000 jeunes de suivre des cours en ligne et à 8 000 jeunes de suivre des ateliers de coaching. Ce sont près de 400 startups qui ont été créées. 45% sont dirigées par des femmes. Il a également permis de renforcer un ensemble de compétences entrepreneuriales pour les aspirants entrepreneurs. Il a aidé de nombreuses entreprises existantes à développer leur marché, à accéder à des financements. Il a enfin aidé des entreprises à faire monter en gamme leurs produits et services. Dans le contexte Covid, le programme MACHROI s'est rapidement adapté. L'ensemble des formations, des assistances techniques sur la période la plus critique ont été dispensées à distance et l'ensemble des bénéficiaires ont répondu présent. Nous avons également appuyer avec nos experts techniques la promotion des incitations, des facilitations fiscales délivrées par le gouvernement. Nous avons également renforcé l'ensemble de nos accompagnements sur le marketing digital afin de permettre une meilleure promotion et de continuer certaines activités dans ce contexte. L'ensemble des entrepreneurs avec les experts et coachs MACHROI ont su également réadapter certains de leurs produits et continuer à aller de l'avant, à rester persévérants dans leur démarche, ce qui a abouti, et on l'a vu, à la création d'entreprises directement, même après le confinement. Nous encourageons et assisterons les entrepreneurs à poursuivre justement l'intégration des nouvelles technologies, à se tourner vers des entreprises vertes et à impact social, à continuer à créer et surtout à rester persévérants.